les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un petit quiz sympathique. Je suis accompagné de Monsieur Lotetou, alias Monsieur Incanuc, Monsieur Suissette. Enfin, il a pas mal de surnoms en fait, ce mec. Présente-toi, mon pote. Hey, salut, yo tout le monde, c'est Lotetou. Comment allez-vous? Et puis, ouais, bah ça, tranquille, tranquille, Monsieur Tonio, Monsieur Hulk. Monsieur Hulk, ça a bien changé, on est plus sur BO2, poteau, là c'est trop éloigné pour moi, là c'est trop loin. Yeah, 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 les gens, c'est Tonio. Ah putain, elle était bien cette intro. Donc aujourd'hui, le concept, il est super simple, c'est un quiz sur Black Ops 3. Donc l'autre tête, contre moi, on va voir lequel est le plus, on va dire, connaît le mieux le jeu. Même si, bon, toi t'as combien de jours de jeu, sans déconner, sur Black Ops 3? 46, je crois. Oh là 46 là, jours. Mais c'est carrément, c'est une vie, t'imagines. Sur 2 ans, ouais, c'est quand même bientôt sur 2 ans, t'as passé un mois et demi sur le jeu. Tu te rends compte ou pas? C'est énorme. Ah ouais, c'est beaucoup trop. Moi, je dois avoir 15 jours de jeu, et toi, t'en as 46, mon gars. Ah, mais c'est soit t'es un tryhard, soit tu l'es pas. Hein. Non, mais toi, t'es un. Ouais, le tryharder aussi, ça, c'est un de ses pseudos, ça, le tryhard. Tu dis. Donc, la campagne de cet opus de Call of Duty se déroule dans un futur sombre. En quelle année? Bah, 2025. Ça va, pour l'instant, c'est des questions douces, un peu. Ils nous mettent dans le bain, tu vois, comme au bac. C'est tout le temps, là, la première, si t'as remarqué, au bac, je t'explique, hein, parce que toi, lui, il est suisse, c'est vrai que t'es suisse. Au bac, en maths, le premier exercice, c'est toujours un QCM, tu vois, pour te mettre en confiance. Donc là, c'est une question facile. Donc, 2025. Ah bah, tu vois, moi, j'aurais pas dit 2025, parce que justement, comment ça s'appelle à cause, justement, de BO2 et de Nuketown. Mais gros, Call of Duty 2025, c'est Nuketown 2025, tu voudrais... Oui, justement, 2025, c'est pas suite BO2? Puisqu'on est dans le futur? Attends, frérot, là, t'es en train de me mettre un doute de ouf. Bah oui, c'est ça, je te mets directement le doute, parce que, en fait, pour moi, c'est pas 2025. Ah putain, t'as raison, c'est pas 2025. C'est BO2, c'est 2025, par contre. Putain, le mec, je faisais trop le gars en confiance et tout, je me trompais déjà dès la première question. Bah, du coup, c'est pour moi, c'est soit 2055, soit 2065. J'ai pas fait la campagne, moi, la campagne solo, gros. Ah, la campagne solo. Bah oui, non, c'est dans le futur, parce que comme il y a Nuketown 2025. Donc moi, j'aurais dit, moi, je dis... C'est dans le futur, donc en gros, c'est... Pour moi, c'est... Pour moi, c'est 2055. Pour moi, c'est 2055. Je pense que j'ai un doute, frère. J'ai un doute, mais je te jure. Ah, après, la campagne, j'ai pas beaucoup joué, mais ça me paraît plus logique, en fait, que ce soit 2055. 30 ans plus tard encore. Ouais, moi je vais dire 2055. Allez, 2055, je te fais confiance. Je fais confiance au tryhard. À la suite des attaques de drones lancées par Menendez. Quoi? Par Menendez? Ouais. C'est qui ce mec là? Dans Black Ops 2, quel système a été mis en place dans certains pays? Ouh, ça c'est une bonne question. Ah, moi j'ai jamais joué à la campagne. J'ai joué très très peu à la campagne. Putain, tu vois, ça c'est les questions pièges. C'est comme si, genre, par exemple, t'arrives au bac. Tu révises pas comme par hasard le sujet qui te donne. Moi je suis calé sur le multiplayer, je suis calé sur le mode zombie, mais je suis pas calé sur le mode la campagne. C'est chaud à la suite des attaques de drones. Franchement, je sais pas, hein, je sais même pas ce que ça veut dire là, tous les termes. Et j'ai bien envie de répondre LSD parce que c'est un truc que je un peu tous, tu vois, mais non. Bah, moi je sais pas du tout. Le système GoldenEye, je pense, c'est mort, ça ressemble 3007. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas. Tu vois, le système d'aide, ça fait un peu kikoulol, tu vois. Ouais, genre, le système d'aide, etc., ça fait un peu kikou, j'ai envie de dire. Moi, je dirais, ça fait les mecs. Je dirais la 3. Ouais, moi, Orbis aussi. Allez, on met la 3. Hein. Let's go. En plus du mode multijoueur. Bah, attends, à toi peut-être de lire les questions. Hein. Ouais, en plus du mode multijoueur de la campagne et du zombie, quel nouveau mode fait son apparition dans le menu du jeu? Poursuite, bunker, free run ou free jump. Bon, ça c'est facile, c'est free run. Voilà. Ça voilà, là on connaît. Ça, ouais, voilà, exactement, pour faire les vidéos en fait. Qu'est-il impossible de faire dans ce nouvel opus? Personnaliser son personnage, non, ça c'est bon, personnaliser ses armes, personnaliser ses score strikes, jouer la campagne en coopération. C'est personnaliser ses score strikes, je crois. Moi je suis lent mentalement, moi je relis les questions 3-4 fois avant de la comprendre déjà. Qu'est-il possible de faire dans ce nouvel opus? Jouer à la campagne en mode coop, hein. Non, ça on peut. Moi j'ai déjà joué avec des potes. C'est sur ce jeu-là que t'as pu faire, non? Sur BO3, tu peux jouer la campagne en coopération. Sur quel jeu? Sur BO3. Oui, bah justement, c'est sur ce jeu-là qu'on a pu jouer en coop. Oui, mais regarde, qu'est-il impossible de faire sur ce nouvel opus? Impossible.
Heureusement que je dis, hein, tu lis trois fois et tu comprends toujours pas. Mais t'es sûr pour moi, c'est personnalisé. Pour moi, c'est personnalisé ces score strike parce que ton personnage, tu peux le personnaliser. On est d'accord. Vas-y, putain, je suis perdu, frère. Je te jure, là, ce. Eh, je suis devenu trop vieux pour passer le bac du Call of Duty, quoi. Qu'est-ce qu'un soldat avec une puce IDN implantée ne peut-il pas faire? Oula! Oh, c'est les spécialistes, ça, non? On va dire l'esprit d'un soldat. Étant lui aussi équipé d'une puce IDN, endormir un soldat équipé d'une puce IDN, contrôler les objets électriques. Je suis en train de te dire que j'ai pas fait la campagne alors que j'ai fait un let's play complet avec Grony sur BO3. Ouais, c'était au début du jeu par contre. Bah ouais, je dis pas de bêtises, c'était au tout début. Ouais, mais j'ai fait un let's play quand même, c'est-à-dire que je l'ai fait la campagne. Ouais, mais par exemple la campagne BO1, moi je m'en souviens plus, hein, c'est il y a tellement longtemps. Ah, chaud, alors attends. Se connecter à n'importe quel ordinateur. Contrôler les objets électriques, non? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Moi, je pense que c'est ça. Toi, tu sais contrôler les objectifs. Bah, tu sais quoi, moi, je vais dire. Contrôler un soldat ennemi, je crois que. Et envahir l'esprit, je crois que c'est. Je crois que c'est possible, ça. Se connecter à n'importe quel ordinateur, ça me paraît chelou. Puis, enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est un des deux derniers. Mais alors. Ce aussi qu'on a remarqué, c'est que pour l'instant, moi, j'ai mis que la réponse 3 sur chacune des trucs. Hein. Ouais, justement, c'est ça aussi qui est un peu pour bizarre. Pour moi, ça peut pas être la 3, ça doit être la 4. Il faut une variante, tu vois. C'est quoi, toi tu mets connecté et puis moi je mets envahir l'esprit d'un soldat. Ok. Non, mais en fait, si t'as raison, c'est ça, envahir l'esprit d'un soldat, tu peux pas. C'était les soldats équipés d'une puce, ouais, tu peux, mais pas les. Ah si, ouais, je sais pas, vas-y, moi je mets connecté un ordinateur. Allez, vas-y. Dans le multijoueur, comment s'appelle la carte dans laquelle vous évoluez dans un complexe agricole du sort? Combine? Bah pour moi ce serait ça. Dans le multijoueur, comment ça s'appelle D3, la carte? C'est quoi la map D3 déjà? Bah D3 pour moi c'est la map dans AW déjà. Combine c'est dans le Sahara, c'est dans le désert. Untel c'est dans la jungle, c'est l'escondé. Enfin c'est dans la forêt, donc 30. Ouais. Non c'est combine. Ouais ça doit être combine, ouais. Comment s'appelle l'arme spéciale du spécialiste prophète? Bon le Tempest, suivant. C'est vrai? Putain, ah oui, le Tempest. Moi, les seuls spécialistes que je connais, c'est le mec avec la batteuse et le. Comment dire, celui qui te donne plus d'XP quand tu l'actives. Ah, concentration et puis la faux. Putain, mais même moi, je les connais pas, j'aime pas les spécialistes. Ok, vas-y, lis la suivante. Quelle affirmation est fausse concernant la spécialiste Outrider? Oula, elle a grandi dans les favelas, elle possède un arc, elle peut connaître la position des ennemis pour une courte durée, elle tire des flèches inflammables. Ouais, parce que ça, c'est dans les trucs secrets. Ça, c'est dans les trucs secrets. Normalement, quand tu retournes la carte, tu peux entendre quand elle parle. Elle te balance des trucs. L'information est fausse. Mais c'est pas des flèches infâmes, c'est des flèches explosives, non? Ouais, ça aussi. Elle peut. Donc, déjà, pour moi, déjà, les deux, le 2 et le 3ème, c'est vrai. C'est vrai. Le 2 et le 3, c'est juste. Comment tu peux savoir ça? Parce que moi, de ce que je me souviens, sur l'image, quand tu choisis tes spécialistes, ouais. Elle est sur de la neige, en fait. Elle glisse. Oui, et en plus, non, ouais, mais par contre, tu peux la retourner en fait. La fiche, quand tu la retournes, en fait, t'as des trucs secrets où tu peux écouter en fait toute l'histoire des spécialistes. Tu savais pas? Je savais pas. Moi, je l'ai fait sans exprès en appuyant sur un bouton, j'ai vu que le truc s'est retourné. Elle est dans les favelas ou pas? Parce que c'est une. Je sais pas, c'est pour te dire. Tu vois, elle est un peu métisse à la Neymar, donc il y a moyen que ce soit favela, non? Moi, franchement, j'ai passé sur ta première idée, elle tire des flèches inflammables. Pour moi, c'est comme tu as dit, elles sont explosives, pas inflammables. Ça joue sur les mots, hein, ça joue sur les détails. Ouais. C'est bon ou pas? Ouais. Combien de niveaux contient le mode zombie? Alors, 10 niveaux et 10 prestiges, 25 niveaux et 15 prestiges, 35 niveaux et 10 prestiges, et 50 niveaux et 10 prestiges. Moi, je sens que c'est quand même le dernier. 10 prestiges, non, ou 35, je sais plus. Ah putain, tu me fous le doute maintenant. C'est 50 aussi, non? Je pense que c'est 50. J'ai bien aimé, tu sais, le mec qui est sûr de lui. Sa voix, elle est descendue à chaque fois d'une octave au fur et à mesure de sa phrase. Tu sais, c'est genre comme s'il avait peur de se tromper, il chutait à la fin. J'en suis sûr. Non, en fait, non, je suis pas sûr. Il y a 10 prestiges, ça c'est sûr. Donc c'est soit 35, soit 50. Est-ce qu'il y a 35 niveaux? Est-ce qu'il y en a 50? Moi, je dirais 50. Comme dans le multiplayer. Ouais, je pense aussi. Allez, let's go, continue. Quel camouflage est disponible sur les armes dans ce mode de jeu? Surbrillance, matière noire, galaxie, death.
Quel camouflage est disponible sur les armes dans ce mode? Eh ben, en matière noire. Dans ce mode de jeu, il veut dire quoi? Est-ce qu'il parle de mode de jeu par rapport aux zombies? Parce que dans le mode zombie, il n'y a pas le camouflage Dark Matter. C'est un camouflage ultime en faisant que des headshots. Non mais gros, cherche pas, c'est matière noire. C'est le seul surbrillant, je connais pas de matière de camo surbrillant. Galaxy, je le connais pas non plus, puis Death non plus. C'est quoi? Moi je vais mettre Death. Je sens que c'est un piège. Matière noire, comme tu veux, plutôt. Les atouts existent toujours, mais leurs effets sont éphémères. Ce ne sont plus des bouteilles. Ils sont désormais remplacés par... Ah oui, d'accord, ok, putain, je comprenais pas au début. C'est des chewing-gums. Comment ça s'appelle? Des bubble-gums. Ouais, les chewing-gums, quoi. Ouais, les chewing-gums. Putain, au début, je comprenais pas la question. Tu vois, c'est justement pour ça. Tu vois, là, on est encore dans le mode zombie. Donc, le côté 10... Tu passes d'un mode zombie à un mode multiplayer. Non, ouais, donc pour moi, c'est le 10, tu vois, pour moi, c'est pas matière noire. C'est pas possible. Le matière noire, il est pas trop présent dans... Il est pas présent, en fait, dans le mode zombie. T'es sûr? Bah, je sais pas. Bah, pour moi, après, toi, t'as laissé matière noire. Ça, après, c'était... Noire, par exemple, le nouvel atout Stock Option permet... d'utiliser les munitions de la réserve parce que les munitions de débuté. Dans mon souvenir, pour moi, c'est le premier. Je sais pas, gros, j'en sais rien. Stop option. Les bubble gum, je les utilise quasiment jamais, tu vois. Je les connais pas. Pour moi, c'est ça, hein, dans mon souvenir. Bah, vas-y, moi, je te fais confiance, tranquille. C'est toi le boss, hein. Ensuite, donc question 13, on retourne sur le multijoueur où, là aussi, les atouts ont du sang neuf. Que permet de faire l'atout tracker? Détecter le matériel terrestre ennemi, suivre les traces de pas ennemis sur le sol, indiquer les ennemis en surbrillance dès qu'ils passent dans votre viseur, indiquer la direction des ennemis sur votre radar. Pour moi, c'est suivre les traces de pas ennemis sur le sol. Hein. Ouais, c'est ça. Un grand nombre de nouveaux mouvements sont désormais à votre disposition. Mais attention, vous ne pouvez pas faire de glissade, planer un court instant, vous pencher, courir sur les murs. Bah, vous penchez. Ouais, c'est pas ça, comme c'est sur Ghost. Ghost, ça. C'est la pire invention du siècle, là. Invention pour les campeurs. On n'est pas sur Total. Ghost, ça. La mort, ça. Le C4, grand absent de Call of Duty Advanced Warfare, revient sur cet opus. Mais il a subi quelques changements. On ne peut plus l'accrocher sur les murs. Ouais, un truc du genre. C'est... Il détruit tout véhicule, non? Il est en surbrillance pour être détecté plus facilement. On ne peut l'appuyer qu'une fois au sol. Ouais, c'est ça. Ça, c'est directement une question pour Tryhard. Ouais. Ça, c'est obligé. Ça, ils l'ont mis rien que pour nous, quoi. Quel est l'endroit qui vous permet d'échanger des clés de cryptage gagnées au combat contre des armes, des camouflages, des titres et beaucoup d'autres choses? Le marché clandestin, le marché noir. Bon, bah, le marché noir, hein, j'ai pas besoin, mais bon, la zone et le QG de Black Ops. Bon, bah, le marché noir. Ça, c'est facile. Bon, bah, il reste encore 4 questions. De nouveaux mouvements sont bien sûr apparus dans ce Call of Duty futuriste. Quel mouvement est impossible à réaliser? Une célébration à la fin d'une partie multijoueur, tirer en courant, tirer sous l'eau, faire un plongeon. Bah, faire un plongeon, quoi. C'est la glissade, ouais, c'est là, donc c'est ça, ouais. C'est le 17, ouais, c'est... Bah, on peut célébrer. Ouais, ouais, non, mais c'est on ça, peut c'est... tirer, ouais, donc... Attends, c'est plus le plongeon, on est plus sur BO1, c'est la glissade qui fait. Ouais. Let's go. Quelle affirmation est fausse concernant les armes du multijoueur? On peut plus jouer on peut jouer avec une clé à molette, on peut jouer avec un couteau papillon, on peut jouer avec des points américains. Ces trois affirmations sont vraies. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est la dernière. Quelle affirmation est fausse? Les trois sont vraies. Elle est vraie, les trois affirmations sont vraies. On peut jouer avec un couteau papillon et on peut jouer avec un... Exactement. Et ben justement, c'est ça, je comprends pas, en fait. Ouais, mais c'est juste pour essayer de t'indiquer qu'il y a un truc faux, mais en fait, c'est faux, c'est un piège. Les trois sont possibles. Bah non, parce qu'il dit quelle affirmation est fausse. Enfin, en tout cas, la question est mal foutue. Pour moi, mais... Oui, mais justement, ouais, et la dernière, c'est ça. Je comprends en fait ce que tu veux dire, mais la question est quand même mal foutue. Oui. Quelle affirmation est fausse concernant les spécialistes? On peut créer des hologrammes au sol avec Reaper. Reaper de soi. Ouais. Rune peut créer une onde sismique dévastatrice. C'est good. Une des capacités spéciales de batterie est d'améliorer sa vitesse de déplacement pour une courte durée. C'est faux.
C'est pas batterie. C'est faux. Non, c'est pas batterie. Oh là là. Ça se voit, le mec il a passé, il a révisé avant le. Batterie, c'est armure cinétique et puis la machine de guerre. Oh là là, gosse. Putain, mais moi les spécialistes, je te dis, j'y connais que dalle. Quelle affirmation est fausse concernant le jeu Call of Duty Black Ops 3? Dans Dead Ops Arcade 2, on peut se retrouver à jouer en tir à la première personne. Ça, c'est vrai. Il y a une campagne zombie une fois le jeu terminé. Ça, c'est vrai. Dans la campagne, on peut tester ses armes dans un simulateur. C'est vrai. C'est vrai ? C'est aussi vrai, ouais. Donc pour moi, les c'est trois. Les trois sont vraies. T'es sûr pour la dernière ? Bah, déjà, moi, la première, je savais pas. La première, je savais pas. Les deux dernières, oui. Dans la campagne, on peut tester ses armes dans un simulateur. C'est comme, on a eu déjà ça déjà avant dans Advanced Warfare. Ok, ouais, ok. On peut tester. Pour moi, c'est possible. Alors, est-ce qu'après, c'est faux C'est vrai que j'ai pas vu de stand tir sur BO3. Mais c'est pour ça, moi, je... Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est vrai que j'ai pas vu de stand tir sur BO3. Bah, tu sais quoi, moi, je vais mettre la campagne, ouais. La campagne, on peut tester, je suis pas sûr. Ouais, campagne, alors, ok, campagne. Bon, voir les résultats, t'es chaud, t'es prêt? Vas-y, 3, 2, 1. Alors, je suis à 70%. Pareil. 14 sur 20. Alors, attends. Le premier... Oh, putain, tu vois le premier, je t'avais dit que c'était pas 2025. Oh, putain, j'ai mis 2055, c'est 2065. Le deuxième... Oh non, j'ai dit que c'était Dead. J'ai dit que c'était Kikou. Ouais, bah c'est ça, hein. Oh là là, le troisième, le free run, personnaliser ses score strike, donc c'était endormir un soldat, ok, combine, le tempest, tu vois, en fait on a eu raison par contre, comment ça s'appelle, elle tire des flèches inflammables, ouais, ça c'était faux, bah ouais, mais je te dis, c'était le piège, ça sentait le piège, puis là c'était 35 niveaux, putain, ah en fait non, t'avais eu raison, c'était matière noire, putain, moi j'ai cru vraiment au camouflage death, ah oui, par contre, c'est le camouflage tout rouge, un peu chelou, le zombie c'était bien 35 levels et pas 50, ouais. Vu que j'ai jamais passé de prestige en zombie, je savais plus. Après, ah bon, je pense que c'est là où j'ai eu raison. Où je pense, tu l'as mis le nouvel atout stock option, c'était d'utiliser les munitions de la réserve plutôt que les munitions de votre chargeur. Attends, mais merde, attends, il y a une réponse que j'ai eu faux parce que j'ai mis courir sur les murs au lieu de vous pencher. Mais je savais que c'était vous pencher. Ah bah merde. Mais je suis un teubé ou quoi? Il y a une question que je sais que j'ai répondu à côté. Ah mais tu sais que ça c'est pas une bonne excuse hein, pour. Oh non, pour la dernière, j'avais raison en fait. Ces trois affirmations sont vraies. Ouais. Non. Je me disais qu'il y avait un stand de tir. Et voilà, 14 sur 20, j'aurais pu avoir 15, tu vois. J'étais proche de l'invention très bien. Là, bah, au moins on a une bonne note, faut se dire ça. On a ouais, réussi les examens sur Call of. On a validé, ça va. On a notre brevet des collèges de 14 sur 20. Et encore, on a eu faux dans les trucs de campagne. Dans les trucs multi, on a eu juste. Ouais, enfin, sans toi, j'aurais eu plus de fautes, je pense. Monsieur spécialiste, je vais t'appeler comme ça, tu vois. On termine sur une égalité. Deux tryhards qui se sont bien quand même sortis. 14 sur 20, c'est une bonne note. En tout cas, j'espère que cette vidéo. Hein ? C'est pas mal, je dis ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est mieux d'être à 14 qu'être à 8, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec Tonio depuis le temps que je voulais faire une vidéo avec Tonio, avec le petit poteau là. Le petit joueur support, hein, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Ciao, ciao tout le monde.